rôle au sein de BNP Paribas, plus précisément BNP Paribas Fortis, parce qu'ici c'est la filiale belge de BNP Paribas. Donc, je suis juriste au sein du département juridique de la banque, juriste dans ce qu'on appelle le corporate banking. Corporate banking étant donc le support à une série de projets, de dossiers qui impliquent donc des clients corporate, à savoir des clients sociétés et principalement au niveau international. Alors, comment devient-on juriste à BNP? Ben, je veux dire, il y a beaucoup de voies qui peuvent y mener. Moi, personnellement, ce n'est pas mon premier métier. Donc, j'ai pratiqué au barreau pendant 6 ans auparavant. Et je suis, après 6 ans, donc j'ai bifurqué vers le privé. Donc, je suis arrivé ici au sein du département. Alors, le quotidien d'un juriste d'entreprise, eh bien, on va dire qu'il y a souvent deux volets. Il y a un volet donc soutien au business ou à la ligne de métier qu'on supporte au niveau juridique, principalement au niveau soit de projets qu'on accompagne et qu'on met en place au niveau juridique, et également un volet plus transactionnel où on assiste à ce moment-là les commerciaux au sein de la banque à justement donc finaliser certains deals avec des clients, et on leur fournit donc tout le support au niveau juridique. Alors, les qualités requises pour le métier de juriste d'entreprise, je dirais déjà à la base être un bon juriste, c'est déjà un bon départ. Sinon, les qualités requises, il y a principalement, je vais dire, un grand sens du détail, une grande discipline et donc une grande rigueur au niveau du travail. Mais également, c'est très important d'avoir un grand sens pratique également. Ne pas être trop théorique, trop abstrait de la réalité. Il faut réellement se mouiller et prendre des positions concrètes qui puissent servir concrètement aux lignes de métier qu'on supporte.